Ah bah vous êtes là, ma Disney Army. Coucou. Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo estivale, un peu plus fun que d'habitude et légère. Je vous propose un top. Alors certains abonnés m'ont proposé d'en faire sur ma chaîne. Je me suis dit que pour ce premier top, j'allais vous faire un top 5 des films 3 Disney et 2 Pixar avec des paysages magnifiques qui vont vous donner envie de partir en vacances et qui vous donneront l'impression d'être en vacances si vous travaillez pendant l'été. Je pense que cet hiver on pourra rajouter Vaiana à cette liste. Vaiana, la légende du bout du monde, nous offre des images très très belles et exotiques. Mais voilà, je vous propose de découvrir sans plus tarder mon top 5 des films à voir cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous conseilleriez de voir cet été, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager si jamais ce type de vidéo vous plaît. Et on va commencer sans plus tarder. En cinquième position, j'ai choisi Le Roi Lion. Alors, pourquoi Le Roi Lion? Déjà parce que en Afrique, il fait très chaud, que les paysages nous donnent envie de voyager, et quoi de mieux cet été que de chanter Kuna Matata. En quatrième position, j'ai choisi le film Rebelle de Pixar parce que tout simplement les vacances ça n'évoque pas forcément la plage pour tout le monde. Ce sont des terres qui sont magnifiques pour un Pixar, ça donne aussi beaucoup envie de voyager. Alors de quoi parle Rebelle? Rebelle, c'est l'histoire de Mérida, une princesse rousse au caractère bien trempé qui n'est pas d'accord sur la façon de régner avec sa mère Elinor. Elles vont se déchirer. La mère de Mérida va se retrouver par la faute de Mérida changée en ours et donc elles vont travailler ensemble pour tenter de rétablir ça. Ce n'est pas un de mes films préférés Pixar, très très loin de là, mais il faut admettre que ça fait quand même voyager, ça nous donne quand même envie de partir en vacances, vous trouvez pas? En troisième position, j'ai choisi La Petite Sirène, car c'est certainement dans notre enfance l'un des films qui nous a le plus donné envie de vivre sous l'eau. Les chansons donnent la pêche, les paysages sont sublimes, ça donne envie d'aller nager. La Petite Sirène, c'est l'histoire d'Ariel qui a très envie de troquer sa queue de sirène pour avoir des jambes. Elle est amoureuse du prince Eric et elle va troquer sa voix contre des jambes et elle aura 3 jours pour séduire le prince et gagner son corps d'humaine. Voilà. En deuxième position, j'ai mis 2 Pixar en un, c'est Le Monde de Nemo et Le Monde de Dory. Tout simplement parce que là encore, c'est les océans. Et que je me suis dit de façon toute simple et toute bête que quoi de mieux que d'aller voir un film au cinéma quand c'est la canicule. Le Monde de Dory est encore projeté en salle si vous ne l'avez pas vu. C'est l'occasion d'y aller. Et si vous l'avez vu ou que vous hésitez encore, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma critique du Monde de Dory que je vous mets en dessous du petit i comme d'habitude. Voilà, alors dans le premier film, c'est Marin qui cherche son fils Nemo perdu dans l'océan. Et dans le 2, c'est l'inverse, c'est Dory qui cherche à retrouver ses parents. Et roulement de tambour, quel est le film que je préconise le plus pour les vacances? Alors pour moi, qui dit vacances d'été dit Lilo et Stitch. Pourquoi? Parce que Hawaï, parce que le soleil, le surf, les musiques qui donnent envie de bouger. Lilo et Stitch, c'est quoi? C'est l'histoire de Stitch qui est l'alien 626 qui se retrouve sur la Terre et qui va faire la connaissance de Lilo, une petite fille au caractère bien trempé. Et entre eux va naître une amitié pas si évidente. Si vous n'avez pas vu l'un de ces 5 films, je vous les recommande vivement. Ce sont des grands classiques Disney et Pixar. Ce sont des films qui donnent la pêche, qui donnent envie de sourire et qui font du bien au moral pour cet été 2016. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo top vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires pour que vous voyez d'autres tops de ce type sur ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Disney Army, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi.